Et voilà, bien-aimés dans les seigneurs, bonsoir, que Dieu vous bénisse, shalom. Nous sommes encore une fois de plus très heureux de vous retrouver connectés pour vous tous qui nous suivez à travers la télé EPV sur le bouquet Orao TV. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous suivez à travers des réseaux sociaux, à travers Oracle des Minuit, que le Dieu de notre alliance se souvienne de vous. Vous tous qui nous suivront, vous allez pouvoir nous suivre, je sais pas moi, en rediffusion ou en faux direct, laisse que le Dieu de notre alliance puisse pouvoir se souvenir de vous. Tout ce que je sais, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Et j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle ce soir, c'est que ne pas suivre cette émission jusqu'à la fin, quelque part ça sera une erreur. Pourquoi ? Parce que je l'ai toujours dit, je crois, je l'ai toujours dit, ceux qui suivent mon ministère et ceux qui ont l'habitude de suivre mes messages, vous savez, dans la vie, il faut être jaloux de ses oreilles. Il ne faut pas tout entendre dans la vie. Quand j'ai dit, je sais ce que j'ai dit et j'ai dit ce que je sais. À cause de l'écoute, il y a des gens qui ont pourri toute leur vie. À cause de l'écoute, certaines personnes sont tombées dans l'AVC. À cause de l'écoute, certains sont devenus hyper tendus. Certains sont morts et d'autres sont devenus excellents dans la vie. Et c'est pour cela que dans la vie, nous devons pouvoir sélectionner ce que nous pouvons entendre. Et surtout, regarder le profil de celui qui peut pouvoir te dire ce qu'il peut pouvoir te dire pour que ça puisse soit t'influencer en bien et soit t'influencer en mal. Et ça fait partie de choses que nous disons tout le jour que nous avons l'opportunité de nous tenir devant vous. Pourquoi ? Parce que la première chute dans l'histoire de l'homme dérivait justement de l'écoute de la femme. Par le simple fait qu'il a laissé à l'homme, au serpent plutôt, de lui parler, cela engendrait tout ce que nous avons pu voir après. Sois jaloux et surtout jalouse de tes oreilles. Deuxièmement, j'aimerais justement, pour vous tous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, de pouvoir non rester égoïste pour vous-même. Pourquoi ? Parce que vous savez les règles. C'est-à-dire que vous devez pouvoir partager avec les uns, avec les autres, pour que la plupart des personnes, vos amis, vos frères, vos cousins, vos cousines, puissent pouvoir être en mesure, justement, de recevoir de votre part ce que vous recevez. Donc, pendant que nous serons en train de passer, ne zappez pas, soyez connectés, invitez des frères, invitez des sœurs, et je crois que le Dieu de notre alliance se souviendra de vous. Alors, ce soir, vous savez que nous anticipons justement la grande convention de réveil que nous organisons. Et vous le savez bien que nous allons pouvoir le faire déjà après-demain, c'est-à-dire ça commence ce vendredi à partir de 16h30, samedi à partir de 16h juste, et puis dimanche à partir de 9h. Un rendez-vous sacré où je vous prie de ne pas pouvoir le louper, encore moins le rater. Et sur ces plateaux, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, cette émission, nous allons pouvoir l'animer avec un homme de Dieu, passionné du Christ, un visionnaire, un entrepreneur. C'est aussi une personne qui parle bien de la part du Seigneur. À la personne du révérend Pierre-Yves Chobo, à qui j'ai dit déjà bonsoir, man of God. Bonsoir, pasteur. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre ? De pouvoir zapper, de partir ou de rester connecté, scotché ? C'est de rester connecté. Aussi longtemps qu'on est connecté, on reçoit un message lorsqu'on est connecté, lorsqu'on est comme les téléphones. Celui qui reste connecté à Internet recevra toujours constamment des messages. Allez, celui qui n'est pas connecté, bon, écoutez. Eh bien voilà, consommons Jésus-Christ sans modération. Si ça ce soir, ça va Yinda quoi. C'est-à-dire, nous, là, on reste connectés sur l'essentiel. C'est pour cela que je vous prie de pouvoir vous connecter. En même temps, je vais pouvoir aller du côté de la régie. Je vais demander à l'homme de Dieu, parce que cette émission, elle est spéciale convention. Donc, je vais pouvoir lui demander de nous balancer les spots que nous avons, parce que nous allons les demander trois fois aujourd'hui. Et nous allons pouvoir, après cela, proposer à ce que nous puissions, justement, suivre un cantique qui pourra nous introniser au sujet de ce soir. S'il vous plaît, ne zappez surtout pas. Let's go. Come on. Shalom.
Et ça dépendra de quel reste que vous allez pouvoir nous suivre, ou ça dépend d'où est-ce que vous êtes en train de nous capter. Tout ce que j'essaie, c'est que la raison de cette vidéo, elle est un spot publicitaire, parce que nous sommes en train de vouloir vous inviter dans une grande convention qui est une convention de réveil sur la jeunesse et qui aura pour thème jeunesse chrétienne face à la mondialisation. Comme vous l'avez constaté et comme vous aurez à constater d'à travers les affiches qui circulent déjà sur les réseaux sociaux et d'à travers justement cette annonce, nous vous invitons, vous tous qui habitez Paris, banlieue parisien, vous tous qui êtes en province, n'importe où est-ce que vous vous retrouvez, vous pouvez avoir la possibilité d'être là, ne rater et surtout pas. Pourquoi ? Parce que c'est un rendez-vous sacré et surtout à ne pas louper et à ne pas manquer. Nous aurons comme invité, comme orateur de marque, des hommes que Dieu a oint et qui sont passionnés de Christ et qui ont pour fardeau de pouvoir apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Entre autres, tel que vous le constatez, nous avons les révérends pasteur Pierre-Yves Chaubeau, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, pasteur. Madame Gad, qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne qui nous suit, et qui nous suivra ou qui pourra suivre cette vidéo concernant cette grande convention de réveil que nous aurons déjà vendredi 7 au dimanche 9? Tout simplement, je voudrais dire à tous ceux qui sont en train de nous regarder que cette convention va être dans le but d'impacter des vies. C'est la jeunesse face à la mondialisation. Le monde est en train de changer, beaucoup de choses sont en train d'être transformées et l'Église doit être au niveau. Et l'Église est la réponse. Je dis bien, l'Église est la réponse. Alors nous allons centraliser les messages pour motiver, pour impacter des vies et pour vous pousser à accomplir ce que Dieu nous a appelé à faire sur cette terre. La mondialisation ne se fera pas sans nous, il ne se fera pas sans vous. Alors c'est pour cela que le message que nous allons apporter durant cette convention sera dans le but de faire en sorte que tu ne sois plus jamais la même personne. Quand le monde te regardera, tu brilleras comme Jésus a dit, brillez devant le monde afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Alors je vous donne rendez-vous le 7 et le 8 avril et à Viry-Châtillon, c'est bien ça, et nous allons passer ce temps extraordinaire dans la présence du Seigneur. Et sachez une chose, venir à l'église c'est une bonne chose, mais être formé comme les disciples l'ont fait, 12 hommes ont changé le monde à cause de l'enseignement du Seigneur. Alors je vous dis à très bientôt pour ces enseignements qui, je crois et je pense, changera et bouleversera vos vies et aussi le pays dans lequel nous vivons. Aux 3 rues de Ris, 91-170 dans la ville des Viry-Châtillon. Pour tous ceux qui prendront le train, vous prenez les RERD en direction de Corbeil-Essonnes, vous descendez juste à l'arrière du train et vous prenez la sortie vers la Seine. Et je crois que ce rendez-vous est un rendez-vous sacré et surtout à ne pas louper. Nous aurons plusieurs groupes musicaux, nous aurons plusieurs frères et sœurs chantres qui seront le bienheureux, qui seront le bien-aimé, qui seront au programme afin de passer des très beaux moments avec nous. Donc si tu rates ces moments, franchement, tu rateras quelque chose de très utile et de très important. Donc nous aurons comme orateur aussi le révérend pasteur Philippe Joly, qui est à la tête d'une grande communauté Amour et Vérité. Nous aurons aussi le pasteur Papijo Akiwa, qui est le chargé de la département de la jeunesse de la communauté La Bonne Parole du Salut. Laisse que le Dieu de notre alliance puisse pouvoir vous bénir et surtout, ces rendez-vous, ne pas les rater et ne pas le louper. Partageons au maximum cette annonce et je crois que tu seras le bienvenu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Gloire à Dieu, très chers frères et sœurs, je crois que vous avez compris de quoi il s'agit aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que demain, on n'aura pas un direct à partir de ce plateau. Donc aujourd'hui, nous avons sur le plateau l'homme de Dieu, le révérend pasteur Pierre-Yves Chaubeau, qui est le responsable de la communauté Chapelle de la Foi, située justement à Meaux. Alors, ce soir, nous allons pouvoir essayer juste de nous mettre la puce à l'oreille pour essayer de pouvoir nous permettre de comprendre les sens. Tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé, nous avons un frère, jeune bien-aimé, il nous a suivi tout à l'heure, je crois que c'était en votre présence, qu'il a témoigné que j'ai suivi votre publicité, pasteur, je suis vraiment persuadé que ma place serait là-bas. Donc je ferai de tout mon mieux pour essayer d'être là. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que ce que vous étiez en train de dire était aussi important.
Alors, Man of God, sans pour autant tarder, comment est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous, selon vous, quand on parle de la mondialisation, parce que trop souvent, vous savez, un jour, on m'a invité pour aller intervenir sur la jeunesse, et j'ai donné ces thèmes, un pasteur m'a dit, mais tu vois, les jeunes, ces genres de thèmes, ça fait un peu trop, trop philosophique, il faut un peu, les jeunes aiment un peu des thèmes un peu simples, et tout ça. Bon, je me suis dit que, bon, écoutez, c'est bien, mais la mondialisation non plus n'est pas un thème aussi compliqué, un terme aussi compliqué, mais c'est quelque chose où ça nécessite justement que les jeunes viennent s'asseoir pour comprendre. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire par là, par rapport à cette observation de choses? Ce que je peux dire par là, c'est que l'Église, parfois, est restée spirituelle et pensant que la mondialisation n'était que pour les autres. Mais aujourd'hui, tout évolue très, très vite. Et nous sommes dans la connexion rapide, la communication rapide, nous sommes dans la politique qui est exercée d'une façon autre qu'auparavant. Alors, l'Église, aujourd'hui, doit entrer dans cette mondialisation parce que le monde va se former en forme de réseau et pour pouvoir se répandre aussi de façon à travers tout ce qui existe en réseau. Alors nous demandons à tous ceux qui n'ont pas la connaissance de la mondialisation et qui pensent que être spirituel simplement suffit pour vivre dans ce monde, nous vous disons non, parce que l'Église doit se mettre à la hauteur, l'Église doit comprendre qui sont les firmes aujourd'hui qui détiennent l'économie, qui sont les firmes aujourd'hui qui sont en train de nous nourrir, dans quel but ils sont en train de nous nourrir. Nous voyons dans le monde, quand une population est trop nombreuse, qu'est-ce qu'on fait? On déclare une guerre, on fait ce genre de choses. Et je pense que dès demain, nous allons commencer à développer sur la mondialisation et permettre à ce qu'il y ait une réflexion profonde, je dis bien profonde, sur ce qui est en train de se passer dans le monde. Gloire à Dieu. Très chers frères et sœurs, vous avez, j'espère que vous êtes en train carrément de comprendre comment est-ce que nous sommes en train d'évoluer dans cette émission. Pourquoi? Parce que, au fait, aujourd'hui, comme dans mon pays, par exemple, c'était le cas, quand le réveil est venu, c'est-à-dire tous ceux qui occupaient les hautes fonctions, au nom, je sais pas moi, du temps plein, au nom du fait que j'y suis appelé au salut, au nom du ciel, c'est-à-dire on a regroupé beaucoup de fainéants et qui se cachent derrière justement cet aspect des choses, ou de pouvoir penser que, bon, écoutez, je n'attends que le retour du Seigneur, mais on a oublié que dans les systèmes qui se passent sur la terre, nous avons intérêt, nous en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir nous intégrer, pas dans le but d'être de fléchir devant les propositions machiavéliques, mais dans le but de pouvoir influencer les mondes dans le sens de les orienter vers le Seigneur. Et cela me rappelle même la prière de Jésus-Christ quand il est en train de prier pour nous, en nous recommandant entre les mains du Père. Il dit, Père, je ne prie pas que tu puisses les ôter du monde, mais en étant dans le monde, que tu leur conserves en les gardant. Alors, j'aimerais que vous puissiez, à la mesure du possible, nous donner une pensée que vous pouvez dire à ces systèmes-là, ou par exemple à cette manière de faire, ou comme j'ai donné l'exemple, bon, parce qu'on s'est converti, on s'est dit, bon, écoutez, les études ne me concernent pas, bon, le travail, on m'a dit, bon, vous savez, il y avait même des versions, on disait, l'exemple que Christ est en train de donner, les oiseaux au ciel ne travaillent, ni ne sèment, ni ne moissonnent. Mais ils sont nourris par le Dieu très haut. Alors, aujourd'hui, nous avons des gens au nom de ces versets, c'est-à-dire, il ne peut plus rien faire, quoi. Donc, il n'étudie pas, il ne fait rien, il n'est à la quête de rien, il attend tout par la prière. Oui, mais je voudrais prendre le simple exemple d'un homme dans la Bible que tous nous connaissons, et le plus petit d'entre nous connaît aujourd'hui. Mm-hmm. Nous voyons Joseph. Joseph était spirituel, mais avait l'intelligence et pouvait gérer l'économie. L'économie est liée aux mathématiques, elle est liée à la gestion. Et nous voyons que cela ne l'a pas empêché d'être rempli de l'esprit, être en contact avec Dieu, mais aussi gérer en même temps une économie d'un pays dans lequel il ne venait pas lui-même, c'est-à-dire je parle de l'Égypte. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, être rempli du Saint-Esprit n'impressionne pas le diable. Et tu peux parler en langue, mais quand tu parles en langue, tu ne remplis pas le réservoir de ton véhicule. Lorsque tu parles en langue, en allant dans un supermarché, tu es obligé de payer. Alors la mondialisation est pour tous ceux qui vivent sur cette terre aujourd'hui. Nous devons comprendre que si nous ne sommes pas dans l'économie, l'économie va gérer nos vies. L'économie va
va prendre le pouvoir sur nous. Et c'est pour ça que nous sommes beaucoup en retard, parce que tous ces hommes qui avaient des talents extraordinaires ont été mal enseignés, mal orientés, et ont été en choisi, comment dirais-je, de mettre de côté leur intelligence, leur capacité, pour pouvoir être des gens à plein temps, et qui aujourd'hui, sans doute, regrettent énormément. Moi, personnellement, je connais un homme de Dieu qui avait une école privée et qui l'a donnée pour un franc symbolique, pour pouvoir se mettre à plein temps pour le ministère. C'était la plus grosse bêtise que cet homme a fait. Et si c'était aujourd'hui, je pense qu'il prendrait une autre, comment dirais-je, une autre orientation, et qu'il ferait autrement. Gloire à Dieu. Donc, c'est pour cela, jeune, tu m'entends, et vous êtes conviés à cette grande conférence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai remarqué, nous continuons à remarquer, et à chaque fois quand on parle de la jeunesse, on a toujours tendance à un groupuscule de jeunes qui se retrouvent en train de danser, en train de crier, en train de faire ceci, en train de faire cela. Alors, nous nous sommes dit, écoutez, il faudrait que ces jeunes-là, ils ont besoin d'être orientés par des enseignements posés qui sont très utiles dans des gens, dans des telles circonstances. Ces jeunes n'ont seulement pas besoin de pouvoir venir danser. Je n'exclus pas la musique. Oui, pourquoi ? Parce qu'il y aura beaucoup de chantres. Mais ces jeunes ont besoin, à part le fait qu'ils vont pouvoir danser, louer, ils ont besoin de sortir avec quelque chose, avec une connaissance qui peut pouvoir leur influencer positivement pour qu'en retour, eux aussi, puissent pouvoir l'influencer. Je pensais que vous vouliez réagir par rapport à ça. Ah, absolument, absolument. Écoutez-moi, pasteur, je suis un peu révolté un peu que la plupart des talents qu'ont nos jeunes aujourd'hui ne se manifestent qu'à travers la danse et la musique. Voilà. Et je dis non, puisque bon, le pouvoir politique aujourd'hui est entre les mains de d'autres personnes qui ne cherche pas l'intérêt de l'Église. Et si l'Église n'est pas positionnée pour pouvoir régner, ce n'est pas en dansant que nous allons changer le monde. Tu comprends? Alors, aujourd'hui, je pense qu'il nous faut une autre orientation. Et comme nous le disons, nous ne sommes pas contre la danse, mais je pense que la danse a été trop mise en avant et que nous devons revenir aux choses qui sont réelles, c'est-à-dire lorsque tu dois remplir ton chariot, comme je disais tout à l'heure, ou acheter un véhicule, écoute, tu dois réfléchir entre ta danse et toutes ces histoires que nous avons mis en avant. Moi, je veux une église qui réfléchit. Je veux une église qui pense autrement. Yes. Je veux une église qui ait des bâtiments, non pas dans les zones industrielles, mais qui ait des bâtiments en plein centre-ville. Je veux qu'on ait un autre regard nous concernant. Jésus a dit, brillez devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Aujourd'hui, nous avons besoin, je dis bien, nous avons besoin de personnes qui réfléchissent. Nous avons besoin de scientifiques. Nous avons besoin d'hommes politiques. Nous avons besoin d'être dans toutes les sphères de la société. Nous l'avons laissé pour les gens du monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens du monde, c'est eux qui nous dirigent et c'est eux qui nous dictent ce dont nous avons besoin. La preuve en est, la plupart des églises qui ont besoin d'une salle sont obligées d'aller les louer dans les mains d'un païen. Et ça va changer. J'ai dit bien, ça va changer, parce que nous allons créer de l'économie et donner une autre façon de penser de l'église. Nous pouvons être spirituels et faire des affaires. Alléluia. Est-ce qu'une personne est en train de pouvoir vibrer avec nous? Donc, sans plus tarder, dans quelques minutes, avant que je ne puisse pouvoir laisser, parce que tout à l'heure, je vais pouvoir vous laisser le temps de pouvoir vous exprimer pendant quelques minutes, s'adresser à une personne qui me suit. Et surtout, j'aimerais ici essayer de pouvoir parler à une personne. Quand on parle de la jeunesse, on ne voit pas les enfants. On ne voit pas seulement les enfants, parce que ça, c'est notre concept à nous. Quand on parle de la jeunesse, on voit les petits-enfants, bon voilà, tu verras une personne qui te dit, bon écoute, allez-y, c'est vos histoires. Non, quand on parle de la jeunesse, alors, en sociologie, ça dit la jeunesse commence de 0 à 70 ans. Donc, à moins que je m'abuse, ou à moins que je me trompe. Donc, ceci nous concerne, ceci vous concerne et ceci me concerne. Alors, du côté de la régie, conformément à ce que nous sommes en train de parler, il y a une chanson que j'ai découvert. Depuis que j'ai découvert cette chanson, je suis lié à cette chanson-là. Et si tu écoutes cette chanson, en fait, ça va vous révolter. Celui qui l'a chantée, je ne le connais pas. Tout ce que je sais, j'aime tout ce qui est excellent pour le Seigneur. C'est-à-dire, elle nous rappelle notre identité et elle permet à ce qu'une personne qui passe des moments difficiles qui me suit, toi, tu es opprimé, tu penses que l'oppression que tu es en train de recevoir, bien-aimé dans le Seigneur, va t'abrutir. Tu es en train carrément d'être orienté ou dirigé au séjour des morts. On t'a pris comme dans le cercueil pour t'enterrer. Dis à ces gens-là, ne m'enterrez pas. Dis à ces personnes-là, ne m'enterrez pas parce que vous n'en avez pas le droit.
C'est-à-dire, je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Allons-y de l'autre côté, nous allons revenir ici pour pouvoir continuer ceci. Let's go now. Come on. La 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 la, je sais qui je suis. Si toi tu es à la crise d'identité, ça c'est pas mon affaire.
C'est pas mon truc. Moi, je sais qui je suis. C'est cela, Dieu nous rappelle dans les livres de Psaume, chapitre 82, à partir du premier verset, en descendant, Dieu s'étonne, Dieu s'exclame, Dieu dit, j'avais dit au plus que parfait que vous êtes de Dieu. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes et vous tomberez comme des princes quelconques. Jeune, tu me suis. Je t'invite pas pour que tu viennes rester chez nous, mais je t'invite pour que tu puisses recevoir quelque chose. Surtout, n'oubliez jamais, l'apôtre Paul dit plutôt la sagesse, les livres de Proverbes, Ecclésiaste est en train de dire clairement, j'ai vu une folie que je n'arrive pas à cerner sur la terre, des princes marcher à pied et des esclaves sur des chevaux. Donc, dans cette convention, tu comprendras qui tu es et ça va t'aider à pouvoir être intronisé dans un autre ordre. Cet ordre qui n'a rien à voir avec tout ce que tu connais sur la terre, mais qui va pouvoir t'incuber une mentalité du royaume. C'est pour cela que les épreuves ne puissent pas te faire baisser les bras. C'est pour cela, peu importe ce qui peut pouvoir tourner tout autour de toi, seul Dieu au ciel a un mot à dire pour que toi, tu puisses pouvoir accéder à ta destinée. Alors, sans plus tarder, je vais pouvoir laisser ce moment à l'homme de Dieu. Il va nous parler pendant 15 minutes de ce que Dieu lui a mis à cœur. Pourquoi? Parce que après demain, là, ça va yinda quoi. Pourquoi? Parce qu'on va débiter, on va ouvrir notre convention et la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a dénommé ça convention de réveil. Quand on part du réveil, tu dois être réveillé dans tout le domaine de ta vie, sur le plan spirituel, psychologique, moral, mental, dans tout le domaine. Et je crois que le Seigneur te fera autant de bien. Laisse que le Dieu de notre grâce puisse pouvoir vous soutenir. Et en ce moment, je laisse le micro à l'homme de Dieu, le révérend pasteur Pierre-Yves Chaubon. Amen, amen. Ben, gloire au Seigneur, nous allons juste lire un texte de la Bible ensemble et avant de lire ce texte, nous voulons rester dans le contexte de la mondialisation et nous voulons quand même pousser chacun de ceux qui nous regardent à avoir le minimum de réflexion. C'est-à-dire aujourd'hui, nous pouvons chanter, danser, effectivement, nous pouvons faire toutes ces choses-là, mais écoutez-moi, à chaque fois que vous sortez à l'extérieur de chez vous, à l'extérieur de l'église, le billet du bus, il est payant. Le billet du train, il est payant. Mettre le gasoil dans votre véhicule, tout cela est payant. C'est-à-dire, cela vient de l'économie, les finances. Nous avons besoin de finances. Vous avez besoin de finances. Et parfois, vous parlez en langue et vous pensez que parler en langue va apporter une solution. Je ne suis pas contre le parler en langue. Je parle en langue. J'aime parler en langue. Je suis un passionné d'aimer Jésus. J'aime Jésus. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Vous allez lire avec moi Luc chapitre 4. Même si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez voir que même le maître rempli du Saint-Esprit, Luc chapitre 4, la Bible nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain où il fut conduit par l'Esprit dans le désert et où il fut tenté par le diable. Écoutez-moi, Jésus même rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, va dans le désert. Mais le diable s'est moqué du fait que Jésus soit rempli du Saint-Esprit. Il est venu se présenter lui-même. Alors, s'il se présente quand Jésus lui-même est rempli du Saint-Esprit, toi tu parles simplement en langue. Alors, je te dis une chose, il va se présenter à toi. Il va te parler à toi, il va te confronter à toi. Et regardez ce qu'il dit à Jésus au verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et je peux vous dire une chose, le diable n'a pas changé de projet. Ses mêmes projets, c'est de prendre la place de Dieu sur son trône. Ce n'est pas parce que Dieu l'a chassé qu'il ne veut pas retourner et prendre la place de Dieu sur le trône de Dieu. Nous devons comprendre que le diable est le même de la même façon que Dieu est le même. Et il a pris les royaumes de la terre. Pourquoi il a pris les royaumes de la terre? Regardez le côté médical, regardez le côté où culinaire, tout ce que nous mangeons aujourd'hui. Regardez qu'aujourd'hui on vous vend soi-disant un jus d'orange. Il paraît jaune mais ce n'est pas du jus d'orange. On vous vend du Coca-Cola. Et j'ai même vu une expérience avec le Coca-Cola où on nettoie le pare-choc d'un véhicule avec du Coca-Cola. Et c'est cela qu'on veut que nous puissions manger pour ne pas avoir une santé solide. Si
tu n'as pas une santé solide, tu quitteras la terre le plus vite possible. Et c'est le travail du diable. La Bible dit qu'il vient pour détruire, égorger et voler. C'est son travail. Et regardez ce qu'on est en train de nous faire. Nous n'avons pas de nourriture correcte pour nous permettre de ne pas grossir. Il y a quelques mois, je faisais près de 118 kilos. Et je dis que toute personne qui grossit a un problème de contrôle. Je dis bien, je le répète, toute personne qui grossit a un problème de contrôle lui-même. Soit en Coca-Cola, soit en jus, soit en bonbon, soit en gâteau, soit en chocolat ou je ne sais quoi. Mais si tu prends du poids, c'est parce que tu es excessif quelque part. Mais j'ai compris une chose. Si nous ne préservons pas notre santé, nous allons la détruire. Et ce ne sera pas la faute de Dieu. Et ce n'est pas parce que tu as prié sur un repas que cela ne va pas être nocif dans ton corps. Si tu ne fais pas attention au McDonald's, si tu ne fais pas attention à tous ces produits que nous ingurgissons aujourd'hui, eh ben, c'est le but de nous détruire. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de cancers qui sortent et nous le mettons sur le dos du diable. Bien sûr, c'est lui, mais il a pris le royaume de la terre qu'il voulait donner à Jésus, qu'il a donné à certaines firmes aujourd'hui. Et ces firmes-là nous vendent de l'eau et ce sont de l'eau qui contrôle nos vies, qui nous détruit à l'intérieur avec le chlore. Et je voudrais dire à l'église de se réveiller. Nous avons besoin de personnes aujourd'hui qui dirigent ces genres de sociétés pour ne pas permettre à nos vies d'être détruites. Et si vous regardez bien ce que dit la Bible, le diable dit ceci: je vous donnerai le royaume de la terre, je la donne à qui je veux. Il l'a donné au niveau de la musique. Nous avons vu les Beyoncé, nous avons vu tous ces gens qui ont de la musique bizarre qui rend nos jeunes fous et malades. Nous avons des jeunes aujourd'hui qui ne pensent qu'à être rappeurs et en pensant que tout le monde va être une star en étant rappeur. C'est le diable qui veut donner son royaume au monde de la terre. Mais l'église doit se lever d'une autre façon. Le royaume de la terre n'a pas été donné à Satan. Quand la terre fut créée, elle a été donnée à Adam et après à Ève. Et Dieu a dit à Adam et à Ève d'être féconds, de se multiplier, d'assujettir la terre. Jamais il n'a dit que la terre était à Satan. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous devons reprendre possession. Je dis aux jeunes d'aller à l'école, je dis aux jeunes d'étudier, je dis à ceux qui font sciences politiques, à ceux qui font médecine, de continuer, à ceux qui sont dans tous les domaines politiques et autres. Je vous dis, continuez d'aller à l'école. Nous avons besoin de têtes pensantes. Nous n'avons pas besoin seulement de personnes qui parlent en langue. Nous avons besoin de personnes qui parlent en langue, mais qui sont aussi intelligents, qui savent comment fonctionne la société, l'économie du pays, les usines et tous ces poulets qu'on nous vend aujourd'hui, ces poissons qui viennent de Chine, ces crevettes qui sont remplies de gélatine, et ces poissons qui ont été nourris en matière fécale. Et sachez que lorsque les gens prennent des médicaments, cela va dans les toilettes et les poissons sont nourris avec ça. Et c'est cela qu'on veut nous vendre. Les Chinois nous vendent aussi des riz qui sont du riz avec du plastique. Et nous devons nous révolter contre ça. L'Église doit parler et j'ai décidé de parler. Je ne serai pas l'un de ces pasteurs qui ont peur de parler contre toutes ces choses qui sont en train de détruire nos églises, détruire le monde en même temps. Nous sommes la lumière du monde, la lumière, le sel de la terre, et nous devons parler. Nous ne sommes pas là pour nous cacher, nous sommes là pour parler d'un évangile équilibré. Le royaume de la terre n'a pas été donné à Satan, mais a été donné à l'Église. La Bible dit que, voilà, la Bible dit ceci: les autorités, les principautés connaîtront par l'Église l'infinie sagesse de Dieu. Yes. Nous sommes sur la terre pour briller. Jésus a dit, brillez devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors nous voulons vous dire, à vous qui sommes en train de nous écouter, nous voulons pas être simplement des spirituels, nous voulons aussi comprendre le système mondial, comment il fonctionne. Nous voulons dire à nos églises aujourd'hui que nous voulons être à la page, nous voulons être spirituels mais aussi intelligent, et nous voulons que la politique ne se fasse pas sans nous, nous voulons que les lois ne soient pas écrites sans nous. C'est pour cela que nous propulsons nos jeunes en leur disant, allez à l'école, étudiez le droit, étudiez dans tous les domaines et permettez à l'Église d'être une autre image. C'est ce que je voulais partager ce soir. C'est pour cela, très chers frères et sœurs, bien-aimés dans les seigneurs, vous nous suivez, vous êtes jeunes. Comme je l'avais toujours dit, la vie est basée sur des choix. Le choix que tu fais détermine la qualité de vie que tu veux mener. Ce n'est pas pour rien, une parabole dit ceci: dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Parce que plus tu entends, et ce que tu entends pourra influencer tes pensées, et tes pensées influenceraient tes attitudes, et ces attitudes peuvent pouvoir détériorer carrément ta vie et le foutre dans la merde.
Mais je sais que quiconque aime l'instruction, comme déclare la Bible, l'homme qui aime l'instruction. Et quand je parle souvent de... Vous allez vous rendre compte que tous les thèmes que nous abordons souvent, c'est presque similaire, parce que la Bible n'a qu'un seul message, au fait. Et dont Christ a résumé sur la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, bien-aimée dans les Seigneurs, vous allez vous rendre compte que Christ a dit « Allez partout dans le monde ». Mais avant d'y aller, il insiste en disant aux disciples « Ne quittez pas Jérusalem. Restez-y. » C'est-à-dire, une fois je suis allé prêcher à Strasbourg, le thème était clair. De la chambre haute aux extrémités de la terre. Le but de cette convention, c'est quoi? Nous voulons que vous puissiez être de jeunes, remplis du Saint-Esprit et capables d'influencer la société. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est que nous recevons. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, en termes de ce qu'on appelle combat spirituel, on nous a rendu un combat spirituel virtuel. On nous a rendu un combat spirituel de science-fiction, en fait. Donc, ce qui fait que tout chrétien, on est plus conscient quand nous sommes que dans la salle d'une église, enfermée. Et dès que nous sortons, on oublie tout. Mais on oublie que ce que nous faisons, un champion ne devient pas champion sur les rings. Un champion devient champion en coulisses, dans l'entraînement, là où il s'entraîne. Quand nous venons dans la maison de Dieu, quand nous sommes dans la présence de Dieu, c'est comme si nous nous entraînons. Et dès que nous quittons ces salles-là, ces églises, nous allons maintenant dans le front. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte trop souvent, le diable, il est venu tenter Jésus quand? Comme l'homme de Dieu venait de dire tout à l'heure. Il a tenté Jésus après la prière des 40 jours et des 40 nuits. Nous le constatons. Quand vous revenez d'une prière, forte prière, où vous avez été constamment dans la présence de Dieu, après ça, il faut s'attendre à quelque chose. Maintenant, pour transcender, ça dépendra de l'attitude que nous prenons face à ces genres d'oppression qui vient vis-à-vis de nous. Donc, c'est une convention très riche. L'homme de Dieu tiendra le côté société dont nous sommes censés, vous et moi, comprendre pour que nous arrivions à déverrouiller certaines clauses. Comme je l'ai dit, dans mon pays d'origine, d'où je viens, c'est-à-dire quand le mouvement des réveils est sorti, on avait des directeurs en banque, on avait des chefs d'entreprise, on avait des entrepreneurs. Et tu vois un entrepreneur qui se réveille le matin, il vous dit, bon, Dieu m'a appelé à les servir. Mais qui vous a dit que parce que Dieu vous appelle à les servir, vous étiez médecin, vous ne serez plus médecin, vous allez tout aller. Non, on a besoin que vous, le vrai médecin, que vous soyez de l'autre côté. On a besoin que vous, médecin, pilote d'avion, mais vous êtes un chrétien, un jeune rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons cette mode de vie qui nous est proposée présentement. Comme je le disais le dimanche passé avec le jeune de l'église, les enfants de l'église, je leur ai dit clairement, aujourd'hui, vous avez un choix à faire en termes de vie que vous pouvez mener dans le futur. Si vous êtes une personne qui aimait bien travailler demain pour mériter ou gagner un salaire de plus de 5000 euros, c'est le moment où vous êtes encore jeune de pouvoir vous orienter à des études qui peuvent pouvoir vous donner une qualificatif qui fera en sorte que vous puissiez exercer une profession justement qui vous donnera ces salaires. Exact. Donc, c'est aujourd'hui que vous devez les faire. C'est pas demain, tu commences à plaire et tu cherches maintenant à te rattraper et comme si l'église était un refuge où tu dois pouvoir tout gâcher aujourd'hui pour te réfugier demain. Comme je l'ai toujours dit, l'église n'est pas un rassemblement des abrutis. L'église n'est pas un rassemblement de tous les échoués de la vie. Amen, l'église n'est pas un rassemblement des hommes fatigués. Non, comme Christ est en train de dire, vous tous qui êtes fatigués, chargés, il ne parle pas seulement de manque de moyens ou de possibilités. Non. Le jeune homme riche est venu chercher Jésus. Il était riche, non? Oui, tout à fait. Il est venu chercher Jésus. Il parle de toutes ces personnes fatiguées d'être incapables de transcender les systèmes. Il parle de ces personnes, toutes ces personnes qui sont fatiguées et en termes économiques et en termes spirituels. Absolument. C'est-à-dire, tu es bourré de possessions occultes démoniaques. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. C'est pour cela il y a une mentalité, j'aimerais bien quand même que nous puissions, si nous pouvons le toucher un peu. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui viennent dans les églises pour se créer des soucis, pour se créer des problèmes?
Mais pasteur, je vais être clair, hein, tu sais, j'ai l'habitude d'être clair. Moi, je dis très clairement, l'endroit où on trouve le plus de bébés adultes, c'est dans l'église. Pourquoi? Parce que la mission de chaque chrétien était non pas de venir se battre dans l'église et démontrer qui c'est qui a le plus gros muscle ou qui connaît le plus de versets bibliques. Non, c'était de venir prendre l'information pour aller impacter le monde. Amen. Mais le problème est, celui-là regarde là la jupe de celui-là comment elle a été coiffée, comment celui-là parle. Mais écoutez-moi, des bêtises, vraiment des bêtises. Alors que le monde est en train de se perdre, c'est-à-dire non seulement il est en train de se perdre, mais le pouvoir est pris par ceux qui ne louent pas le Dieu que nous servons. Et Dieu a créé la terre pour ses enfants. N'oubliez pas que nous sommes co-héritiers avec Christ et héritiers de Dieu. La terre a été créée pour nous, pas pour quelqu'un d'autre. Alors si quelqu'un doit briller, c'est bien moi et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Nous voyons aujourd'hui le lobby homosexuel, comment les choses se développent, comment ces gens sont unis. Et nous qui, soi-disant, avons l'amour, nous ne sommes pas capables de rassembler quatre personnes ensemble. C'est pour ça que nous avons des révolutionnaires, des putschistes qui cassent des églises, qui cassent des pasteurs pour pouvoir, alors que le monde est ouvert à eux, nous devons avoir un lobby, des supermarchés qui nous appartient, des boucheries qui nous appartient, des autobus qui nous appartient. Dans les centres-villes de Paris, nous avons besoin d'avoir nos propres buildings. Nous avons besoin de monter ce qui n'existe pas. Écoutez-moi, c'est le temps pour nous d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et c'est l'Église la réponse. Écoutez-moi, hier soir, vous avez pu voir tous ces débats des hommes qui n'arrivent pas à s'entendre. Écoutez, nous n'avons pas le temps de ne pas nous entendre. La Bible nous met tous ensemble. Nous sommes tous des frères et sœurs. Et je dis bien que nous allons être capables dans les années qui viennent d'avoir nos propres banques et de pouvoir gérer nos propres économies nous-mêmes. Parce que, écoutez-moi bien, nous sommes l'Église, mais pas l'Église des pauvres. La pauvreté n'est pas pour nous, elle a été clouée à la croix du calvaire. Et alors, si nous devons être une réponse, c'est maintenant. Alors c'est pour cela, je suis très d'accord avec le pasteur Odon quand il dit aux jeunes, allez à l'école, réfléchissez, ne soyez pas simplement de ceux qui crachent par terre, ceux qui, même si tu vis dans une cité, même si tu es dans la plus pourrie des cités, écoute-moi, la cité ne fera pas de toi un leader, mais le Dieu puissant que nous servons fera de toi, en plein milieu de la cité, un vrai leader, quelqu'un d'intelligent qui va vraiment impacter son environnement. Écoutez-moi, l'argent répond à tout, nous dit la Bible. Elle répond à tout. La parole du pauvre est méprisée. Au chaque fois que vous êtes pauvre, on est méprisé. Mais ce temps-là est terminé parce qu'il y a une nouvelle génération qui se lève et qui dit « Le monde ne se bâtira pas sans moi et sans nous. » C'est pour cela, très chers frères et sœurs, vous êtes jeunes, vous me suivez. Même si vous êtes déjà père de famille, mère de famille, vous avez moins de 50 ans, vous avez 52 ans, 55 ans, cette activité vous concerne. Ce que nous parlons, ce n'est pas une affaire des enfants, c'est une affaire des adultes, des hommes et des femmes qui ont compris le sens de la vie, les hommes et les femmes qui ont compris la responsabilité de celui qui sait qui il est, la responsabilité de ça dit, c'est pour cela on doit dépasser les enchères de réunions de jeunes où on se retrouve en train de crier, de danser. Vous savez, un jour, j'ai croisé un jeune qui m'a beaucoup plu, parce que je suis beaucoup aimé par des jeunes, et surtout les jeunes musiciens, nos enfants qui sont nés ici. Et ses frères, ils m'ont dit, mais pasteur, est-ce qu'il n'y a pas un jour que tu peux quand même organiser une conférence pour nous, les chantres autour de la jeunesse? Parce qu'il y avait des choses qui étaient utiles, importantes. Tu me suis, chantre, pour venir à la convention, on n'attend seulement pas qu'on te fasse une invitation, pour que tu viennes prester. Moi, je suis pasteur, je suis homme de Dieu, mais à des fois, je vais dans des conférences que pour attendre. Moi, dernièrement, l'homme de Dieu avait reçu le révérend Raoul Arafo. Il m'a invité. J'ai quitté de Paris à Meaux, justement, pour aller entendre, écouter. Ça m'a enlevé rien du tout. Mais par contre, j'ai été énormément béni. Très chers frères et sœurs, vous savez, nous ne sommes plus au temps où... vous savez, les parents, Dieu nous les a imposés. Je suis le fils de Monsieur Wanga. Je ne l'ai pas voulu. Je suis le fils de Mejetumba, je ne l'ai pas voulu. Mais écoutez, je suis le frère de Soleil, je suis le frère de Blaise, je ne l'ai pas voulu. Mais écoutez, avoir des amis est un choix. C'est-à-dire, tu peux pouvoir le faire. Tu peux te décider de te tracer une lignée de personnes avec qui tu peux marcher. C'est un choix. Et personne ne te l'imposera. C'est plein de fois, certaines relations, quand ça te quitte dans la vie, si tu essayes de forcer, ça ne marche pas, laisse tomber. Pourquoi? Parce que le temps viendra que Dieu est capable de pouvoir te justifier. Il y a certains choix qu'on peut pouvoir faire dans la vie, tu seras obligé d'en perdre d'autres
pour en avoir d'autres. Absolument. Il y a certaines relations dans la vie, bien aimées, qui seront des relations des destinées, qui vont faire en sorte que tu puisses y entrer. Et depuis un certain moment, man of God, le Seigneur est en train de me mettre à cœur de pouvoir travailler sur un enseignement sur les carnets d'adresses, par exemple. C'est-à-dire, et là, je parlerai sur l'impact de l'importance des relations. Parce que nous avons comme impression aujourd'hui, les chrétiens, nous nous en foutons au fait de relations. Et on nous a incubé dans la tête ce qui nous intéresse, c'est notre salle d'église, et parler en langue, et, ou crier, et puis chasser les démons, et puis après, on ne sait pas, je suis en train de prier pour que Dieu m'ouvre une porte, mais on oublie que Dieu ouvrira cette porte par quelqu'un. Absolument. À chaque fois que Dieu doit élever quelqu'un, pasteur, à chaque fois que Dieu doit élever quelqu'un ou l'amener à un autre niveau, il utilisera toujours une connexion. Toujours un homme pour pouvoir le faire. Mais le problème aujourd'hui, nous brisons les connexions et les relations pour des futilités. Et c'est pour cela que moi, je crois aussi que, pasteur, qu'il y a toujours un temps où Dieu va te débarrasser de certaines personnes qui ne sont que des boulets. Non, il va t'en débarrasser. Mais ça, c'est la prophétie. Ne pleure pas sur ceux qui te laissent. Tu comprends? Ne pleure jamais. Depuis, j'ai compris une chose. À chaque fois que quelqu'un te quitte, c'est la prière de notre Père. Père, délivre-nous du mal. Certains sont là pour nous faire du mal, pour nous empêcher d'entrer dans la dimension que Dieu voudrait nous amener. Et aujourd'hui, pasteur, nous devons faire attention aux connexions et tout faire pour préserver les relations dans les connexions divines. C'est très important. Oh là là. Mais vous savez que si quelqu'un pourra imaginer que nous sommes en train de blaguer sur le pâteau, ça va me dépasser. Tout à l'heure, vous venez de prophétiser pour moi sans vous rendre compte que vous avez prophétisé pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, très chers frères et sœurs, quand on parle, c'est pas de blague. Ça dit, Dieu parle. Dieu parle, je vous dis. Dieu parle. Absolument. C'est pour ça qu'il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit. Toi qui me suis, frère, tout ce temps que nous avons pris, c'est pour que tu puisses pouvoir comprendre que cette conférence, cette convention te concerne. Ça sera une convention au terme propre du mot. Ça ne sera pas une convention de compétition. Les hommes que nous avons invités, ce sont des conférenciers, ce sont des personnes respectueuses, ce sont des personnes qui connaissent l'essence de ce que nous sommes en train de faire comme travail. Il y aura une certaine respectabilité, des concessions en vue de pouvoir apporter la lumière à vous tous qui viendront dans cette grande activité. Et je vous dis que vous serez énormément bénis. Vous êtes jeune, vous m'entendez, vous m'écoutez. Prenez votre carnet, vous avez votre iPad qui a une option de notes. Amenez-les, apportez-le. Pourquoi? Parce que vous serez richement très très, très béni. Alors, man of God, nous sommes en train de chuter quasiment vers la fin de notre intervention. Simplement, je voudrais, juste avant que cela se termine, à l'heure actuelle, je connais 3 jeunes aujourd'hui qui sont en train de faire un travail extraordinaire, qui ont créé un logiciel qui, dans les mois qui vont venir, vont leur apporter plus de 100 000 euros par mois, et cela en France. Cela en France. Et ce sont des jeunes intelligents que nous allons bientôt demander de venir témoigner à d'autres jeunes pour leur dire, bon voilà, écoutez, la danse c'est une chose, le football aussi c'est une chose. Si Dieu t'a appelé dans le domaine du football, va dans le domaine du football. Si Dieu t'a appelé dans le domaine du chant, c'est pour ça que pasteur, il nous faut créer des émissions comme Michel Drucker, que les gens puissent nous regarder en direct à la télé avec des émissions chrétiennes. Mais pour cela, il nous faut d'abord ceux qui ont été à l'école pour pouvoir diriger des studios de télévision. Voilà. Et faire en sorte que nous puissions prendre possession et pénétrer chaque maison, même des païens, avec nos émissions en direct. Comme nous sommes en train de faire ce soir, je pense que ça va se faire à une plus large diffusion dans les années qui viennent. C'est pour cela que nous voulons dire à ceux qui ont des rêves, vos rêves sont réalisables. Oh, vos rêves sont réalisables. Vous savez pourquoi? Parce que le maître des temps et des circonstances, c'est celui qui gouverne le monde. C'est lui le véritable qui est assis sur le trône de gloire et de puissance. Et je l'ai toujours dit dans la prière de notre Père, il est en train de nous dire, il anticipe en disant, Père, que ton règne vienne. Or, quand on parle du règne, c'est gouverner en monarque. C'est quand le seul chef et maître vient en vue de pouvoir établir son royaume. Et cela est suivi de que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. C'est-à-dire, si nous comprenons le sens de l'orientation prophétique de l'église définitive, ça nous donnera un certain profil. C'est pour ça qu'un certain niveau de la vie, bien aimé, il faut refuser les distractions. Un certain niveau de la vie, vous savez, j'ai lu comme un récit de Monsieur Rolls-Royce, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, tout ce que je sais, je l'ai lu quelque part. On lui pose la question de savoir, mais pourquoi vous ne faites pas la publicité de vos voitures? Il a dit une chose, il dit, écoutez, parce que ceux qui roulent la Rolls, la plupart d'eux ne regardent pas la télé. Moi, je dirais que non, écoute, je ne lui donne pas tort. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que même les informations que nous recevons, c'est surmesuré. Je crois que tout à l'heure, je crois qu'hier tous nous avons suivi les débats, tout à l'heure l'homme de Dieu a fait, un homme qui est en train carrément de pouvoir déployer ou déplorer certains systèmes qui existent. Et ça, c'est le principe qui régit ce monde. Mais toi et moi, étant des hommes illuminés, parce que la vraie lumière, c'est nous, tu peux pouvoir influencer le monde dans le domaine dans lequel tu es en train d'évoluer avec le Seigneur. Professionnellement, psychologiquement, moralement, intellectuellement. Donc c'est pour cela, très chers frères et sœurs, cette convention vous intéresse. Et c'est pour vous cette convention. Vous nous suivez, comme je l'ai dit, vous êtes homme de Dieu, serviteur de Dieu, jeune, président de la jeunesse. Parle à ton pasteur, demande à ton pasteur. Dites-lui, Seigneur, pasteur, s'il vous plaît, j'ai entendu une annonce et j'aimerais bien m'y rendre, si tu peux pouvoir m'autoriser. Et je crois que le Seigneur fera en sorte qu'il puisse pouvoir te le permettre. C'est pour cela, avant que nous puissions pouvoir chuter pour demander ou donner les mots de la fin à l'homme de Dieu concernant la convention, nous retournons encore du côté de la régie avec l'aide de notre MacGyver, c'est-à-dire le prophète, le pasteur Constant. Lui, il est pasteur, il est technicien, il est musicien, il est beaucoup de choses. C'est une grâce exceptionnelle que Dieu a faite au corps de Christ. Il va pouvoir nous balancer ces spots-là et après, nous allons pouvoir revenir pour essayer de pouvoir finir avec notre émission. Ça dépendra de quel reste que vous allez pouvoir nous suivre ou ça dépend d'où est-ce que vous êtes en train de nous capter. Tout ce que je sais, c'est que la raison de cette vidéo, elle est un spot publicitaire parce que nous sommes en train de vouloir vous inviter dans une grande convention qui est une convention de réveil sur la jeunesse et qui aura pour thème « Jeunesse chrétienne face à la mondialisation ». Comme vous l'avez constaté et comme vous aurez à constater d'à travers les affiches qui circulent déjà sur les réseaux sociaux et d'à travers justement cette annonce, nous vous invitons, vous tous qui habitez Paris, banlieue parisien, vous tous qui êtes en province, n'importe où est-ce que vous vous retrouvez, vous pouvez avoir la possibilité d'être là, ne ratez et surtout pas. Pourquoi? Parce que c'est un rendez-vous sacré et surtout à ne pas louper et à ne pas manquer. Nous aurons comme invité, comme orateur de marque, des hommes que Dieu a oint et qui sont passionnés de Christ et qui ont pour fardeau de pouvoir apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Entre autres, tel que vous le constatez, nous avons les révérends pasteur Pierre-Yves Chaubeau, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, pasteur. Madame Gade, qu'est-ce que vous pouvez dire à une personne qui nous suit, et qui nous suivra ou qui pourra suivre cette vidéo concernant cette grande convention de réveil que nous aurons déjà vendredi 7 au dimanche 9? Tout simplement, je voudrais dire à tous ceux qui sont en train de nous regarder que cette convention va être dans le but d'impacter des vies. C'est la jeunesse face à la mondialisation. Le monde est en train de changer, beaucoup de choses sont en train d'être transformées et l'Église doit être au niveau. Et l'Église est la réponse. Je dis bien, l'Église est la réponse. Alors nous allons centraliser les messages pour motiver, pour impacter des vies et pour vous pousser à accomplir ce que Dieu nous a appelé à faire sur cette terre. La mondialisation ne se fera pas sans nous, il ne se fera pas sans vous. Alors c'est pour cela que le message que nous allons apporter durant cette convention sera dans le but de faire en sorte que tu ne sois plus jamais la même personne. Quand le monde te regardera, tu brilleras comme Jésus a dit, briller devant le monde afin qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Alors je vous donne rendez-vous le 7 et le 8 avril à Viry-Châtillon, c'est bien ça, et nous allons passer ce temps
extraordinaire dans la présence du Seigneur. Et sachez une chose, venir à l'église c'est une bonne chose, mais être formé comme les disciples l'ont fait, 12 hommes ont changé le monde à cause de l'enseignement du Seigneur. Alors je vous dis à très bientôt pour ces enseignements qui, je crois et je pense, changera et bouleversera vos vies et aussi le pays dans lequel nous vivons. Aux 3 rues de Ris, 91-170 dans la ville de Viry-Châtillon. Pour tous ceux qui prendront le train, vous prenez les RERD en direction de Corbeil-Essonnes, vous descendez juste à l'arrière du train et vous prenez la sortie vers la Seine. Et je crois que ce rendez-vous est un rendez-vous sacré et surtout à ne pas louper. Nous aurons plusieurs groupes musicaux, nous aurons plusieurs frères et sœurs chantres qui seront le bienheureux, qui seront le bien-aimé, qui seront au programme afin de passer des très beaux moments avec nous. Donc si tu rates ces moments, franchement, tu rateras quelque chose de très utile et de très important. Donc nous aurons comme orateur aussi le révérend pasteur Philippe Jolie, qui est à la tête d'une grande communauté Amour et Vérité. Nous aurons aussi le pasteur Papidjo Akiwa, qui est le chargé de la département de la jeunesse de la communauté La Bonne Parole du Salut. Laisse que le Dieu de notre alliance puisse pouvoir vous bénir et surtout, ces rendez-vous, ne pas les rater et ne pas le louper. Partageons maximum cette annonce. Je crois que tu seras le bienvenu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Vraiment, vraiment, ça m'étonnerait que tu manques à une telle activité dans la ville de Paris. Et vous savez, Romains chapitre 13, verset 11, la Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Man of God, quel sera le dernier mot de la fin pour quiconque a suivi cette émission? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à ce jeune qui nous entend, qui a 50 ans, qui a 60 ans, qui a 55 ans, qui a 10 ans, qui a 15 ans, qui a 20 ans, 30 ans, concernant cette activité? Cette activité, je voudrais dire à quelqu'un, peu importe là où vous êtes, peu importe votre niveau de connaissance aujourd'hui, ce dont vous avez besoin, c'est l'onction qui va vous propulser à travailler et à être et à accomplir votre destinée. Et tout vient de la connaissance. Jésus dit, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Quelle connaissance? La connaissance de la parole. Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un demeure en moi et que mes paroles demeurent en lui, qu'il demande ce qu'il veut. Alors, aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de la connaissance. Nous avons besoin de connaître les choses. Et ce pays, la France, ne sera pas changé par des Américains ou par des Chinois ou de je ne sais pas qui. C'est nous qui vivons dans ce pays. Nous sommes l'église du pays de France. Et nous allons apporter le changement. Si le réveil doit venir, il viendra à travers vous et à travers nous. C'est pour cela que nous vous donnons rendez-vous dans cette conférence où nous disons, c'est le temps d'impacter le monde et c'est avec vous et à travers les messages que nous allons apporter dans 48 heures. Dans les sports, les hommes et les femmes m'ont demandé l'heure. Nous commençons vendredi à partir de 16h30, c'est-à-dire vous tous qui allez revenir de boulot, tout ça, vous quittez le travail, directement vous arrivez. Pourquoi? Parce que nous sommes là de 16h30 à 20h. Et vous tous qui allez nous suivre à partir de samedi, nous sommes là à partir de 16h pour vous permettre, à ce que vous avez votre fête, de pouvoir partir après. Et puis dimanche, nous serons là à 9h. Ça se situe où? Au 6 rue de Ris, plutôt 3 rue de Ris, 91-170, dans la ville de Viry-Châtillon, c'est-à-dire la direction des RERD qui va vers Corbeil-Essonnes, et vous descendez justement à la gare de Viry. Donc, vous sortez vers la Seine, pas devant la sortie principale, mais vers la Seine, et aussi, vous verrez juste le bâtiment qui sera tout juste à votre droite, référence et Pôle emploi, de là, vous allez pouvoir trouver. Nous avons plusieurs chantres qui seront là, nous avons la sœur Christelle Gambella, nous avons Jonathan Gambella, nous avons la sœur Hostie, nous avons la sœur Mimi, nous avons beaucoup de gens, des Paul Moulaja, nous avons beaucoup de frères et sœurs adorateurs, même ceux-là dont je n'ai pas cité les noms, la sœur Victoire et autres, qui seront ou qui feront partie de nous. Nous allons passer des moments d'adoration, mais nous allons aussi passer des moments d'enseignement et de prière pour essayer de pouvoir vous aider, jeunes, de pouvoir vous épanouir sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel et dans tous les domaines de la vie. Et je crois que la parole de Dieu est mieux placée pour nous informer. Et pour votre information, la Bible parle de tout. Rien ne manque dans la Bible. Il y a la technologie, il y a la science,
il y a la mathématique dans la Bible, il y a tout ce que vous connaissez, et ça va vous s'y prendre. Venez, on vous l'apprendra. Et je crois que le Dieu de grâce vous fera autant de bien. Si cette émission vous a béni, ne la gardez pas pour vous-même. Partagez-le autant plus que vous pouvez édifier une personne. Identifiez vos frères, vos sœurs, et je crois que ça sera une très bonne chose. Je bénis ma très chère épouse qui a été connectée à moi et qui nous a suivis. Merci beaucoup, ma belle. Sois bénie pour ton soutien vraiment important qui me va droit au cœur. Je bénis tous mes enfants qui ont été connectés et qui en ce moment dorment. Et par contre, je bénis aussi Maman Ghislaine qui est en ligne, qui nous suit. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et passez une bonne soirée. On se retrouve vendredi à partir de 16h30. Bye bye. À très bientôt.